tire la vache. Ouais, un tout petit peu quand même. Ah, c'est super. Elle va être contente. Merci beaucoup. Merci. Elle est très très difficile pour la bouffe. Hein. Ah, elle est ouais très précieuse. Ah ouais. Elle ne digère que la petite ferraille. Vous voyez, avec du foin, avec de l'herbe, ça passe pas. Ça passe pas. Non, non. Ah. L'herbe, ça fout la diarrhée. Et le foin, ça la constipe. Ah oh, ouais. Et plus, la petite ferraille, tu vois bien en bonne santé. Mis, et je l'ai mis sur un pré, elle prend les pieds dans l'herbe et tout, c'est certain. Elle est heureuse sur les macadam avec les gens autour qui la regardent et elle se nourrit de. Elle a besoin d'attention, c'est une star en fait. Ah, elle oui, a besoin d'attention. Elle a complètement raison. Justement, des fois, les gens ils disent pas mal. Elle est vexée, elle tourne la tête, elle ne regarde même plus. Ouais, vexée, pas mal. Moi, je suis plus que pas mal. Elle est magnifique. Elle est magnifique en tout cas. Belle soirée. Je l'ai créé en mois d'août 2018 pendant un mois et je l'ai sorti pendant trois mois en 2018, pendant un mois cette année, et en tout je suis à 90 heures à peu près de... Où vous l'avez sorti? Là vous l'avez sorti à Saint-Michel, mais... Je l'ai sorti à Beaubourg, je l'ai sorti à la rue Saint-Charles, à Grenelle, la rue qui est en dessous, de Bourg-la-Reine, à Montrouge, place d'Italie, les grandes places de Paris. J'ai ajouté des patins en dessous parce qu'avant j'avais que des plateaux découpés et ça avait des traces sur le trottoir et ça ne plaisait pas au maire et à la police municipale. Qu'est-ce que ça plaisait pas? J'ai pas le droit de laisser des traces et avec des plateaux là. Je sais pas si vous regardez, il y a des plateaux là. Avec des poils. Elle digère ni l'herbe ni le foin. Je me dénonce, c'est pas au fisc, c'est pas déclaré. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas des masses. Hein. Un mois de travail sans électricité, sans électricité. Alors, comment? Vous êtes allemand ou? Oui, oui, je suis allemand. C'est vous qui avez conçu le truc? Vous n'avez jamais pensé à faire l'homologie chez le concours de l'épine, hein? C'est une idée juste. Je suis un blondeur, je suis un rêveur, je suis STF depuis 33 ans. C'est pas m'inscrire au concours d'épine. Et vous la mettez où le soir? Dans un box à Bagneux. Vous savez, je suis né à la ferme, il y a la ferme qui était très endettée. Alors, quand j'étais enfant, on n'avait pas beaucoup de jouets. Il fallait inventer des jouets, il fallait inventer des mécanismes, des trucs comme ça. Et mon père faisait ça aussi. Mmh. Alors, c'est facile à regarder, c'est-à-dire. On apprend à regarder le monde autrement. Chaque objet que je vois peut devenir autre chose. C'est-à-dire que les gens, ils voient un vélo, c'est un vélo. Un vélo, pour moi, c'est un mécanisme, c'est une roue, c'est justement c'est des ailes d'un taureau, d'un dragon. Ah, il a